Hey les fanos, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi comme d'hab, je pète la forme, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les fanos, c'est une nouvelle vidéo détente aujourd'hui sur un nouveau jeu. Alors, à l'issue de ma vidéo sur défi, réussir tous les niveaux de Crazy Quiz en moins d'une heure, j'ai reçu un commentaire me proposant un nouveau défi. Et cette fois-ci sur un nouveau jeu, certains l'auront reconnu, certains s'en rappelleront. C'est un ancien jeu créé par Cyprien, le youtubeur, qui est le Nob Quiz. Et le défi que j'ai reçu justement, c'est de réussir tous les niveaux en moins d'une heure avec le Mobizane, bien sûr, pas en moins d'une heure dans la vraie vie, avec le Mobizane, parce que je pense que je ferai des pauses en attendant. Donc du coup, ça ne comptera pas là, donc les minutes que je suis en train de perdre. Hein. Donc, enfin, je pense pas, hein, voilà. Tu t'appelles Jarry en spray. Oui. Oui, je m'appelle Jarry en spray. Donc du coup, il y a plein de niveaux. Alors, j'avais déjà fini le jeu, mais je peux vous dire que je ne me rappelle plus, parce que j'ai joué à ce jeu il y a 3 ans ou 4 ans, je crois. Donc, ça date d'il y a un moment. Mais c'est parti, je ne vais pas perdre de temps pour réussir le défi en moins d'une heure. Tu dois être connecté à Internet pour jouer. Ah merde, j'ai le Wi-Fi qui s'est enlevé. Allez, c'est bon, j'ai le Wi-Fi qui est revenu. Alors, 2 plus 2, 4. Tu as compris le principe du jeu, tu es très perspicace. Question 2. Quel est cet animal? Alors, dans mes souvenirs, c'était... un éléphant. Tiré. Allez, question numéro 3. Classe-les du plus léger au plus lourd. Comment ça, je suis quelqu'un de lourd? J'ai un humour très raffiné. Allez. Associe, pardon, le bon talent à la bonne personne. Auguste Rodin. Il était sculpteur, pardon. Usain Bolt. Michael Jordan, basket. Voilà. Si tu as réussi à trouver le talent de Kim Kardashian, contacte-moi. Cherche tout court. C'est con, ça. Question numéro 5. Laquelle de ces Barbie n'existe pas? Barbie secrétaire. Barbie nutritionniste. Ouais. Effectivement, Barbie n'a jamais donné de conseils diététiques. Mais elle a bien. Ah merde, c'est bien, j'ai pas eu le temps de lire. Retiens ce numéro. 18, 94, 37. Ah, en même temps, c'était facile, j'avais la réponse juste avant. Bref, j'ai une bonne mémoire. Depuis combien de temps joues-tu à ce jeu? J'ai le mot Mobizane qui est juste là. Ah oui, mais attends. Depuis combien de temps que j'ai lancé le jeu? Eh non, voilà, c'était... voilà, c'est quand j'ai commencé le jeu. Purée, je croyais qu'il y avait un piège. Ah, mais purée, je pensais qu'il y avait un piège. Ah, c'est nul. C'est nul, je pensais qu'il y avait un piège. En plus, j'avais la réponse, j'avais le mot Mobizane. Mais je pensais du coup qu'il y avait un piège. Ah, c'est nul. Bon, déjà, c'est en 5 minutes je finis ce niveau. Franchement, c'est que je pense réussir le défi en moins d'une heure. Donc là, Auguste Romain est sculpteur, Michael Jordan basketball, peintre. Oui. Allez, vas-y. Alors, Barbie nutritionniste. On a compris. Allez, passe. Ah, publicité. Allez, 18-94-37. 18-94-37, hop là. Allez, oui, allez. Donc, 4 minutes. Et... ah bon. Bah non, voilà. C'est quand j'avais commencé. Déjà, le temps passe vite avec moi. Voilà, j'ai pas fait confiance en mon bien. Quel drapeau n'existe pas? Ça, c'est le Népal. Celui-là. Donc, c'est celui-là qui n'existe pas. Non, celui-là. Les étoiles, ça fait crédible. On ne tente pas. Hein, mais on ne te la fait pas à l'envers. D'accord. Ok, ben ne me la fait pas à l'envers. Lequel de ces films ne met pas en avant New York, ne met pas New York en danger? Il doit y avoir un piège dans Star Wars. Hein. Ah, 2012. Dans Volcano, déjà ça. Thor 2. Ah putain.
Non, il y avait un piège. Je suis sûr que Star Wars 7, tu vois, c'est une bonne réponse. Mais il doit y avoir des pièges, ce que ça s'appelle le Nob Quiz. Tu vois, donc c'est des questions un peu fourbes. Ça fait question de culture générale. Oui, mais question fourbe. Allez, oui, allez, vite, éléphant. Allez, comme ça, tu n'as pas de temps. Oui, allez, allez, allez. Oui, on a compris. Allez, hop là, tac, tac, tac. Allez, oui, passe. On a compris, allez. Allez, Auguste Rodin, sculpteur. Un, là, un. Voilà, allez, oui. Oui, t'inquiète, je te contacterai. Allez, hop, Barbie Nutritionniste. Allez, 1894-37, toujours. Ça, je pourrais le mettre dans un code. Hop. Allez, 1894-37, tac. Donc, depuis combien de temps je joue? Je ne sais toujours pas. 5 minutes. 6 minutes. Psst. Ah! Donc, c'est celui-là. Donc, il y a Volcano, Star Wars 7, Man of Steel. C'est 2012? Non, voilà. 2012, ça se passe bien ici. Alors, sort. Des planètes sont entièrement détruites dans Star Wars, mais heureusement que ça se passe pas dans une galaxie lointaine, très lointaine. Allez, question de 10. Comment construire une tour? Ah oui, dans mes souvenirs, c'était ça. Et voilà. Quelle bonne tour as-tu sur un affaire. Allez, j'ai gagné un cadeau. Waouh, tu as gagné un vieux bonbon trouvé au fond de ma poche. Allez, question de 11 à 20. Il y a 100 niveaux aussi dans celui-là. Lequel de ces dinosaures n'ont jamais existé? Irritator. Ah voilà, quand même. Germinator. Duplo, c'est Diplodocus. Voilà. Irritator tient son nom de difficulté. Hein. Ah ouais. Il y a autant de lettres dans le mot faux, c'est vrai. C'est vrai, tu n'as pas faux, pas vrai? Bon, waouh. Question 13. D'après ta boussole, où est le nord? Là. Là, j'ai tourné ma manette. Bon, ben, je sais pas où se trouve le nord. Pourtant, le nord, c'est bien dans cette direction-là. Hein. Je sais pas pourquoi je vous montre un truc là, vous voyez pas. Allez, hop. Allez, oui, 72, vrai. Alors, là, voilà. Tourne-toi sur toi-même et fais bouger le nord, tu verras, c'est amusant. Allez, question 14. Classe-les du plus au moins pauvre. Du plus au moins pauvre. Donc du plus pauvre. C'est Caroline. Taylor Swift. Ah, j'hésite. Voilà, ça va. Taylor Swift est la plus pauvre avec une fortune s'élevant à seulement 250 millions de dollars. Trop la honte. Ah ouais, mais maintenant qu'elle a remporté les Grammy Awards. Chorus Molité. Y'a pas un E accent? Ah voilà. Il manque effectivement l'accent aigu, te voilà un peu littéraire qu'avant. Question 16. Parmi ces films de Disney, lequel comporte le plus de morts? Mulan. Oui, Mulan, voilà. Je regardais, mais... Voilà. Il n'y avait pas de piège. Oh, purée, encore. Relie le point A au point B pour dessiner un marteau. C'est tout ce qu'on peut faire en reliant juste deux points. Tu sais dessiner des moutons? Non, le petit prince. Tu me donnes quel âge? Ah, 25 ans, voilà. C'est vrai que je fais plus jeune que mon âge, mais arrête avec tes compliments, je ne suis pas un garçon facile. Question 19. Energix, la boisson qui énergise, c'est... Vraiment excellent.
Glou glou glou, qu'est-ce que c'est? C'est bon, énergisant, énergique, c'est mon pied. T'as vu tous les matins. Placement de produit dans un propre jeu, tu sais. Écoute l'extrait, d'où provient ce bruit? Ah, c'est pas Chewbacca, c'est un grincement de porte. Ah, c'était sûr. La porte fait excellente imitation. Eh, en 10 minutes, 2 niveaux quand même. Tu as gagné statue de bronze, vraiment génial. Allez, question 21 à 30. Classe-les du plus au moins calorique. Ah, il doit y avoir un piège, je pense. Hein. Une laitue. Enfin, ça. Un Big Mac. Enfin. Je pensais qu'il y avait un piège. Hein. Ah, man, du coup, j'ai pas eu le temps de lire. Qui est l'intrus? Snoop Dogg, Eminem. Non, c'est Eminem. Je sais pas. Pourtant, c'était tous des rappeurs, hein. À moins que Gandhi ne soit pas un rappeur. En fait, Gandhi, je sais pas qui c'est. Donc, voilà. Ouais, bah, Gandhi. Pourquoi? Bien vu, fin 500 ans, il a la seule personnalité qui n'est pas balance. Son signe astrologique est cancer. Mais comment tu veux savoir ça? Allez, question numéro 23. Terminer le puzzle pour découvrir une œuvre très connue. Ah, oh, sérieux? C'est chiant. Ah oui, c'était très dur à deviner sans la pièce manquante, mais c'était bien la Joconde. Oh, mais c'est super héros, lequel n'existe pas. Non, Plastic Man, il existe. French Man. Ah, j'ai peur. Allez, je vais perdre. Ah non. Plastic Man, c'est sûr qu'il existe. Et Batman, non, là, il n'y a pas d'erreur. J'ai peur. Oui, c'est bon. Quickman est un ennemi de Mega Man. Man Bat et Plastic Man sont aussi issus des éditions de DC Comics, voilà. En quelle année est né Joseph Staline? Et dans les années 1800, puisqu'il a été dirigeant de l'URSS. Donc forcément, il était dirigeant, voilà, il est, voilà, bien né dans les années 1800. Ah merde, il m'a eu, t'étais passé où? Oh non, mais oui, mais du coup, je suis allé sur Internet. Qu'est-ce que je dis? J'ai perdu mon chien. Non, je vais être honnête. J'aime ton honnêteté, tu peux continuer. Ah, ça va. T'avais besoin d'aller sur Internet pour savoir ça, hein? Tu me fais pitié. Bah oui, mais on sait qu'il a été gouvernant de l'URSS. Combien de fois pi dans le nombre? Ah, ça augmente à chaque fois. Bah doucement. D'ailleurs, le saviez-vous, le nombre pi est très long à apprendre. Ah, publicité encore, c'est pas possible. Voilà. Quel est ce pays? Attends, donc là, il est complètement... C'est là, c'est-à-dire c'est la Lettonie. Voilà. Lettonie et l'Estonie sont les pays voisins de la Lettonie. Liani, c'est une énumération longue et ennuyeuse. Et ça, je pourrais la sortir à une dissertation de français. Relie ses élèves de Poudlard à leur maison respective. Donald Trump. Ah, je sais pas. Luna, je crois qu'elle est... Non. Luna, les cires d'aigle. Voilà. Donald Trump. Bah, Cyrus Black, il doit être Gryffondor. Hein? Suzanne. En fait, j'ai le choix entre soit Serpentin, soit Poussouf. Enfin, je veux dire quand même Poussouf et Donald Trump, c'est obligé qu'il allait le mettre dans ça. J'ai fait un test sur Internet, je suis Poussouf. C'est bien, non? Ouais. Laquelle de ces porcelaines chinoises a le plus de valeur? Non, c'est ma collection personnelle. Quel signe astrologique de Snoop Dogg déjà? Balance. Ah oui, c'est vrai, c'est le même signe astrologique que celui de Gandhi et Eminem. Et voilà, prodigieux.
Tu as reçu un exemplaire de mon autobiographie. Eh ben purée. Question 31 à 40. Lequel de ces ouragans n'a jamais existé? Katarina. Kiki. Rihanna. Mais moi je peux penser qu'il existait Rihanna avec tout ce qu'il nous fait là. Mais bon, ça nous apprend des choses. Ouragan Katarina 2005, Fifi 1974 et Dora 1964. Eh ben écoute. Non mais c'est intéressant. Écoute extrait, de quel oiseau provient ce chant? Tellement que ça doit être un piège, c'est pas le rouge-gorge. Ça doit être un moineau ou une merle, tellement qu'il doit y avoir des... Mais bon, je vais dire la chouette. Voilà. Sûr, il y a un piège. Je te jure, c'est sûr, il y a un piège. C'est pas du tout le rouge-gorge. Ça doit être le merlan, quelque chose comme ça. Peut-être le moineau ou la merle. Ah non, putain, il n'y avait pas de piège. Et surtout un sale piaf qui me réveille tous les matins. Purée, j'y crois pas. Il n'y avait pas de piège. Quel fruit n'existe pas? Le ugly, ça existe. La grenadelle, ça n'existe pas, ça. J'allais dire, le vrai fruit, c'est la grenade, c'est pas la grenadelle. Ah ben voilà. Ouais. Donc, Rihanna, toujours. Allez, passe. Allez, toujours cet extrait d'oiseau. Je passe un peu le son pour vous, parce que sinon ça va vous casser les oreilles, avec le rouge-gorge. Voilà, surtout un sale piaf, ça on le sait. Tout n'a pu m'exister. Donc, l'ugly, ça existe, hein. La cocotine. Voilà. Cocotine n'est pas un fruit, mais un Pokémon. Ne le mange surtout pas. Ah oui, cocotine, c'est vrai, c'est un Pokémon. Tous les autres sont bien des noms de fruits. C'est vrai. Quelle est cette couleur? Cuisse de nymphe. Ah, j'ai dit ça entre coquille d'œuf ou cuisse de nymphe. Oh. Mon décorateur d'intérieur s'est trompé et a repeint tout mon... J'ai pas eu le temps de lire encore. C'est bien de mettre publicité, mais il n'y a pas de pub. Au fait, je ne suis pas présenté. Comment je m'appelle? Patrick Knopp. Kevin Knopp. Tom Cruise. Ah, Tom Cruise. Non. On sait qu'il y avait un piège. Non, Patrick Knopp. Ah, je voulais m'assurer que tu avais bien lu le nom de mon autobiographie. Je peux te parler encore de moi si tu as quelques heures devant toi. Pas trop, non. Lequel de ces spectateurs n'a pas applaudi lors de la question précédente? Lui. Elle. Allez, t'inquiète, je vais y arriver. Franchement, le défi, je vais y arriver. 18 minutes, niveau 31 à 40, franchement. Ouais, je baisse. Moi, ça me dérangerait pas le matin. J'entendrai ça. Moi, je trouve que c'est agréable. Faut juste pas l'avoir dans les oreilles comme ça, mais sinon. Donc, cuisse de nymphe. Ah, ouais, attends. On paye un repas à mon salon en bisque. C'est hideux le bisque. Donc, pas de neuf. Ah, du coup, j'ai pas regardé. Quel sens de l'affirmation? Regarde-le, ce type nous cache quelque chose. Sous ses airs innocents, méfions-nous. Classer ses buzz du plus au moins éphémère. Bah, Pokémon Go, c'est quand même un gros buzz. Hein. Du plus, bah, la Bible. Bah, je sais pas, la Bible, quand même. Eh, les questions sont moins faciles. Elles sont beaucoup plus dures. Ah oui, pour vous, le son. Le rouge-gorge. Donc là, c'est la cocotine. Ah, encore une pub. Ouais, toujours une pub qui se lance pas, tu sais. Je vais te mettre une pub, il n'y a plus de pub dans le jeu. C'est tellement longtemps qu'il est sorti. Patrick Knopp. Hop, lui. Donc là. Voilà.
Ice Bucket Challenge n'a duré qu'un mois. Susan Boyle a fait un buzz exceptionnel de 2 mois et Pokémon Go aura tenu 4 mois. Jésus avec la Bible restera le meilleur influenceur de tous les temps. Et sur le coup, c'est que j'ai mal lu la question. Quel est le synonyme du mot d'anneau pantin? Alors, tu vois, pour une qui me dise. Regarde. Ah, je peux pas vous montrer là, je suis en train de prendre mon téléphone et de chercher d'anneau pantin. Mais. Ils font des trucs, mais même quand c'est des profs de français, ils peuvent pas répondre à des choses comme ça. D'anneau pantin, synonyme. Et. Synonyme. Vous pouvez le trouver sur les apostres habituels de vos appareils mobiles. Et une question de ce jeu, quel est le synonyme d'anneau pantin? Alors la réponse est loser. Bon, je sais pourquoi, car d'anneau pantin est un mot inventé. Ah purée, mais c'est trop bien ça qu'il ait fait ça exprès, tu sais, de mettre. Donc il faut que j'écrive que je suis un loser. Tu t'es aidé d'un moteur de recherche, mon petit d'anneau pantin. Je le sais. Mort de rire. Et la fin de lettre de l'alphabet. P. N. M. Plus. La première lettre de mon prénom. T'as compté avec les doigts, trop la honte, on dirait un enfant. Bah non, j'ai répondu au hasard. Répare ce mécanisme très. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai perdu. Comment tu veux que ça te rende pas fou ça? Rien là. Allez, question 32. Je baisse le son. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est surtout un seul pief qui me réveille tous les matins, comme d'habitude. Allez, cocotine, oui. Allez hop. Ah, cuisse de nymphe. Patrick Knop, ah. Toujours une publicité qui se lance pas. Patrick Knop, oui. Lui. Donc, Icebug, tac. Et je dois dire que Pokémon Go ça marche toujours, hein. J'ai pas voulu le dire, mais. Pokémon Go ça marche toujours puisque j'y joue. Je fais des let's play dessus, merde, putain, je me suis trompé de lettre. M. Alors, je suis sûr qu'il faut tourner la tablette. Non. Peut-être en appuyant sur les caméras. Je peux pas retirer la lampe. Merde! Qu'est-ce qu'il faut faire dans le niveau 40? Mais quel de ces ouragans n'a jamais existé? Toujours la même chose. Putain, allez, le rouge corps. Donc c'est. Voilà, tac. Surtout un seul piège qui me réveille tous les matins, comme d'habitude. Cocotine. Allez, viens là. Cuisse de lymphe. Donc Patrick Knop, la même chose. Et une publicité. Donc lui. Donc là, tac. Donc là, loser. Oh, mais fallait le voir, regardez. Mais fallait le voir. Bon, du coup, j'ai pas lu, en plus. Tu as gagné la garde de mon chien pendant mes vacances. Eh ben purée. Allez, question 41 à 50. Lequel de ces hiéroglyphes n'existe pas? Celui-là. Non, un hiéroglyphe. Bah celui-là, forcément. Effectivement, les Égyptiens n'ont jamais joué au basketball. Bah non, mais c'est vrai. Eh, faut être con. Tu as eu 36-9 faux. Ouais. Mais je suis en train de me rendre compte d'une chose, tu es extrêmement nul. Mais je t'emmerde, mon gars.
Regarde attentivement cette image. Quel est le prénom du garçon sur la photo? Je crois que j'ai regardé ça, moi c'était Lucas. Quel don d'observation, félicitations. Classe ses inventions de la plus ancienne à la plus récente. Alors, de la plus ancienne à la plus récente. Alors, les ampoules électriques, ça c'est la plus récente. Puisque la dynamite et les briquets étaient utilisés pour les ouvriers dans les mines. L'ampoule électrique a été inventée, je crois, dans les années 1950. Si je me souviens bien de mon cours de technologie. Donc moi, je dirais que ce sont les dynamites. Non. Alors, c'est l'allumette, briquet, dynamite et ampoule. Il n'y avait pas de piège. Non. Je pensais qu'il y avait un piège, encore une fois, les fanaux, mais bon. Vert. Attends, ah oui, mais en plus, il n'y a pas marqué, c'est ça le pire. Je viens de voir, il y a pas marqué. Là, je vais dire pour une fois, il y a une pub. Alors, non. Oh. Non, non, voilà. Briquet. Allumette. Dynamite. Ampoule électrique. Le briquet a été inventé en 1823 avant les premières allumettes, pardon, inflammables par friction en 1827. On suivait la dynamite en 1966 et les ampoules en 1878. C'était pas du tout en 1950, les lampes électriques. Alors, qu'est-ce qui a été inventé en 1950? C'est une bonne question. Police et personnalité, leur motif d'arrestation. Attends, port d'armes illégales, conduite dans l'état d'ivresse, chien non déclaré, fraude fiscale. Ah, je vois trop bien Johnny Depp ou Justin Bieber faire une fraude fiscale. Eminem, conduite dans un état d'ivresse. Un port d'armes illégales. Lionel Messi. Non, c'est quoi, je veux dire, franchement, Johnny Depp, fraude fiscale. Allez, toujours la même chose. Vrai. Lucas. Briquet. Allumé, dynamique en poule. Allez. Donc, Justin Bieber, fraude fiscale. Eminem, fraude fiscale. Lionel Messi. Ah, Johnny Depp alors. Ah, tu vas voir, c'est Justin Bieber. Port d'armes illégales. À coup sûr. Vrai. Vas-y, Lucas. Pour la même chose. Allumette. Non, merde. Briquet, allumette, dynamite, en cool. Donc, Johnny Depp. Non, Lionel Messi. Bon, alors, Justin Bieber, c'est conduit dans un état d'ivresse. C'est incroyable. Vrai. Toujours vrai. Attendez, hein, faut juste que je voie un petit truc. Ouais. Alors, oui. Oui, Lucas. Ah. Donc, briquet allumé dynamite en cool. Et donc, Justin Bieber conduit d'état. Donc là, Eminem, alors, porte d'armes. Pour ma part, j'ai été arrêté une fois pour excès de charisme. Question 46. Quelle est la distance la plus courte à vol d'oiseau? Rome, Sao Paulo, San Francisco, Moscou. Comment tu veux savoir quoi? Voilà. Seulement 943 km séparant San Francisco de Moscou, c'est 4 km de moins que Bruxelles et Tokyo. Ah ouais, Bruxelles et Tokyo. Que vois-tu? Un papillon, des taches d'encre, une gare, un éléphant.
Bah, j'aurais dit un papillon, mais il va me dire non. Voilà. L'éléphant est un symbole de sagesse, de longévité et de bienveillance, c'est tout moi. Retiens ce numéro, 7, 4, 9, 2, 7. Oh le bâtard! Pardon, excusez-moi, mais vous avez vu? Vous avez vu le piège? Oh, j'y crois pas, j'étais en train d'écrire mon nombre, 7, 4, et l'autre il me fout des additions. Je crois pas. Non! Il a pas appuyé. Et là, Eminem, qu'est-ce que vous avez avec une arme? Donc, sans foncer sur le score. Allez, encore une pure. Donc, un éléphant. Alors, 7, 4, 9, 2. Donc, 7. J'allais me tromper. 7, 4. 9, 2. 7, 4. 9. Attends. 9, 2. Voilà. En même temps, retenir 4 chiffres, c'est pas trop compliqué. Lequel de ces gerbilles n'existe pas? Ouf, alors là, gerbille. Gerbille, il n'y a que de plumes. Ça doit exister. Quoique, c'est pas... je sais pas. C'est que j'ai tellement pas envie de perdre. Et vous savez quoi, je tente un truc au hasard. Je me dis allez. Ouais. Velu de peau. C'est con. Je sais pas. Gerbille de charme. Non. Cordial. Reine du bal. Tu vas voir, c'est un piège. Oh! Mon dieu, j'ai réussi. Et quelle couleur était la voiture devant le car? Pouah, je sais, jaune. Et voilà. Exceptionnel. Tu as gagné 43 tours de mes chansons d'amour. Ça doit être très passionnant. Allez, niveau 51-60. Plus que... Je suis à la moitié du temps, hein. Trouve le nom des Pokémon. Trouve le nom de Pokémon. Les autres sont des médicaments. Donc, Trioxydre. Voilà. Xerneas. Ah, je sais plus. Jamicon, non. Non. Je me rappelle plus. Igluta. Alexa, qui est Igluta? Igluta, c'est un Pokémon. Et depuis quand? Igolta. Igolta. Ah bon, mais qui c'est lui? Alexa, qui est Igolta? Non, bah Alexa, stop. Alexa, stop. Quel texte affiche ce programme informatique très complexe? Okay. En plus, le pire, c'est qu'on fait ça, quoi, en maths. Hello world. C'est une écrit par là. Non. Alors, hello world. Non. Mais non, puisqu'on dit si. Ta-la, il dit hello, alors il dira world. Purée, le bête. Tu es aussi doué que le développeur du jeu. Qui t'embêche. Ben pourquoi pas. 8 plus 7. 14. Non, le bête, ça fait 15. Putain, ça fait 15. Mais non, 8 plus 7. 8 plus... Mais non, voilà, ça fait 15. Non, ouais, c'est ça. Donc, Igolta, Trioxydre et Xerneas.
Ouais. J'espère que ma prof de maths ne regardera jamais cette vidéo. On fait une addition un peu compliquée, on a une division. Ou une division, pardon. Écoute l'extrait, de quel oiseau provient ce chant? Cui. Hirondelle. Pire. Pour des raisons de budget, nous avons dû faire le chant du pinceau à la bouche. Mais c'était facilement reconnaissable. À quel nombre je pense? Il doit y avoir un piège. Hein. Moi, il y a plein de trucs. Peut-être encore, non. Pas 12. 1044. Comment tu peux savoir ça? Donc, Igoltar. Très sûr. On va falloir toujours que je sache hein, quel est ce Pokémon là, Igoltar. Parce que Xerneas c'est Trioxydre, je sais qui c'est. Mais alors celui-là. Donc, Wand. Donc, merci les algorithmes. Hein. Publicité. Je me demande qui c'est qui a fait le cui, c'est ça doit être pris, hein, ça. À quel nombre je pense? 451. Pourquoi? Qui dans mes pensées, j'adore ce nombre, j'ai envie de le mettre partout. Laquelle de ses mains gagne au poker? Il doit y avoir un truc, hein. Alors attends. Normalement, parce que moi qui ai déjà joué au poker, je connais un peu les trucs. Ah non, je pensais juste qu'il y avait un piège. Voilà. Normalement, si je me souviens bien, c'est pas celle-là avec tous les as. C'est, je crois, celle avec le 9, 10, valet. Valet, dame, roi. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, les gars. Les gars, je suis pas sûr. Qu'est-ce que je fais? Je tente. Attends, réfléchis. Réfléchis bien. La Ken Flush. Ah, voilà, c'est une Ken Flush. Brûlante. Ah, putain. Ah non, c'est juste une couleur. Hein. Serait la Ken Flush. Classe ses franchises du plus petit au plus grand nombre de films. Alors ça, les fanons, vous allez être impressionnés. Puisque c'est Paranormal Activity. Ça, c'est sûr. Fast and Furious, Harry Potter, incroyable. Bah, du coup, Harry Potter et Avengers, forcément. Il n'y a eu que 7 films de Fast and Furious. J'ai pas eu le temps de dire. Recopie ce code Wi-Fi. E-0-098-A-11-CD-20. Oui! C'est bon, j'ai internet. Tu peux m'installer un antivirus maintenant. C'est question, c'est quand même. De quelle couleur est le bouton des questions de 11 à 20? Mais il était rose? Non? De quel... Attends. Il parle du bonbon qu'il m'a donné? Bouton des questions. Ah, je sais pas. Sur l'écran de titre. Ah, rose! Oui. J'aime bien cette couleur. Quel est le bouton le plus utilisé dans un jeu de plateforme? Start. Ah d'accord. À droite. Et là, voilà. Je me demande bien à quoi ressemblera la princesse à sauver à la fin du jeu. Tu as gagné un dîner. Ah, oh, je peux pas le temps de lire. Mais en tout cas, j'ai gagné un dîner avec le présentateur.
Alors, quelle personnalité n'a jamais fait de pub pour un whisky? Ah ben Bill Murray. Bruce Willis. Effectivement, Bruce Willis, c'est bien la seule personnalité à en avoir. Mais c'est pas possible que... Ah là là. Trouver le logo USB. Non, c'est pas jouable, un truc. Bon. Ah, je vois que je suis un vrai geek. Est-ce que tu peux regarder mon ordinateur et il ne s'allume plus? Putain, alors moi, si je suis un geek, déjà, je m'en sors pas à allumer un ordinateur. Qu'est-ce que tu veux? Lesquelles de ces villes d'Islande n'existent pas? Et Poitiers. Hein? Et... Pourquoi tu es en Provence? Borjafour. Foudjaï. Blond. Joss. Et là. Non. Blond. Toujours pas. Mais je pense que je vais réussir le défi, c'est sûr. Non, le bête, je me suis trompé. Oh, nul. Nul. Donc, tac, tac, Poitiers. Et ça, effectivement, hein, on n'existe pas. C'est juste une suite de caractères bizarres, ça m'a fait rire. Non, pardon, il a dit ça me faisait rire. Excusez-moi. Quel film raconte un homme blanc découvre un nouveau monde, celui d'amitié avec les autochtones, mais ce confrère tout ravagé? Ben normalement c'est Avatar. Voilà. Pourquoi? Dans Pocahontas c'est une fille hein. Enfin attends. Pocahontas c'est une fille. Dans Pocahontas, c'est non. C'est aussi l'histoire de Tarzan, la roue d'Eldorado, les aventures de Zack et de Krista. Ah d'accord, c'était tous les films. Ils sont chiants quand même. Bon, après, j'ai des potes qui savent lire japonais. Putain, pourquoi il n'y a pas Cassin? Pourquoi il y a Hermesand qui sont là? Enfin, plein de personnes qui lisent japonais, tu sais, de mes amis à moi. Sinon, on aurait appelé... Non, je vais arrêter là, sinon je vais dire une vanne. Je sais pas, j'étais entre le premier et le deuxième. Parce que moi, je me rappelle un jour, un cours, notre prof nous avait dit qu'une longue phrase, ça pouvait s'écrire en deux lettres. Donc pour moi, ça serait la 2, la 3 ou la 1. Eh ben, je faisais le milieu, je dis la 2. Ah ah. S'il y en a qui savent ce que ça veut dire, c'est pas me l'écrire en commentaire, s'il vous plaît. Relie ces animaux dangereux à leur territoire. Ben, normalement, serpent, ça, j'aurais dit en Australie, mais. Voilà. La veuve noire à dos rouge. Déjà, la méduse boîte, ça doit être en Amérique. Crocodile marin, ça doit être en Amérique. Le crocodile marin, ça va aller en Chine. Hein. Le crocodile marin, il va aller en Chine, je vous le dis. Allez hop. Oui, c'est lui, tac, oui. Allez hop, continue. Oui, allez hop, ça. Allez, ça c'est quoi ça? Ah oui, alors ça. Non, le bête! Putain, je suis allé trop vite. Oui, allez, on a compris, allez vite. Ah, attends. Allez hop. Donc là, le 2. Ah ah ah, allez vas-y. Donc là, le serpent, Australie, crocodile, Chine, Afrique. À moins qu'il vienne lui aussi d'Australie. Donc, tu vas voir que lui aussi il vient d'Australie. Donc, tac, tac, tac. Voilà, allez, oui, c'est aussi l'histoire de machin. Allez, hop, le deuxième, vas-y. Allez! Donc, serpent, il vient d'Australie.
Voilà. Méduse boîte aussi. Ça aussi. Oh. J'ai un cousin. C'était... Mais c'était sûr. Quel ingrédient ne figure pas dans la recette du Coca-Cola? Alors, dioxyde de soufre, c'est sûr. La benzotadée de sodium. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Franchement, le dioxyde de soufre, ça, c'est sûr. Ça, je vous le dis, c'est sûr. Ensuite, le sulfite d'ammonium, c'est peut-être possible aussi, pour surtout dans du Coca-Cola. Or, après, le benzoate de sodium, le chlorure de potassium. Bah non, forcément, le chlorure de potassium, bah non. Chlorure de potassium utilisé comme poisson pour les peines noires aux États-Unis. C'est pour ça qu'il n'en trouvera pas dans le Coca-Cola. Ah bon? Trouver des éléments identiques. Ben, le cœur. Voilà. Les pas yeux. Non, les yeux, non. Alors, nous pouvons voir le papier. Ben, le papier, c'est le même. Enfin, t'as plein de dire que c'est pas le même. Hein. Bon. Trouver les éléments identiques. L'avion. En fait, c'est vraiment sur le présentateur. Hein. Chiant, hein. Est-ce que je dis ça? Le nez, non. Je suis sûr que c'est sur les cheveux. Ou les yeux. Et il a les yeux bleus, mais aussi. Ça m'énerve ce jeu. En plus j'arrive pas loin de la fin. Vous allez voir que je perds le défi à cause de ça. Alors, tac, tac, tac. Alors, tac, tac, tac. Oui, allez. Continuons. Allez, hop. Avec ces pubs là aussi, c'est chiant. Donc, là, les yeux, non. Ça peut pas être. Ça peut pas être les cheveux. Qu'est-ce que ça peut être encore? Mais après, peut-être le chat, du coup. Voilà. Ah purée, attendez, j'ai compris. Les cheveux. Parce que regardez sur le chien là. Voilà. J'ai plein de points communs avec mon chien. Classe-les du plus au moins dangereux. Manger 5000 fruits. Légumes par jour, quand même. Relever un secret de la NSA. Non, ça doit pas être dangereux. Franchement, un pique-nique à Fukushima, oui. Après, vivre en Australie, c'est... En Australie, ça veut dire vivre en Australie, c'est pas dangereux, quand même. Mon cousin est australien, il m'a enfin répondu, sort de ma vie. Enlève très, très délicatement la pression de bois. Ils sont sérieux. Allez. Ils sont sérieux. Et voilà. Voilà, tu as gagné de superbes vacances au soleil. Allez, question 71 à 80. Alors, écoute l'extrait, quelle est cette musique?
Ah, fallait trouver la... Non, attends, ça me disait un truc. Je crois que c'était ça qu'il chantait. Je crois, hein. Ça, la flûte enchantée, non, ça peut pas être ça. C'est là, c'est sûr, c'est pas la lettre Ali, c'est les 4 saisons. Quoi? Je me suis enregistré moi-même, impressionnant, n'est-ce pas? J'ai fait 15 ans de flûte. Quelle ville ne possède pas de tour Eiffel? Alors en Chine, ils en possèdent une, Las Vegas aussi, c'est au polo. Alors je peux vous dire que Las Vegas en possède une, car dans Une journée en enfer, vous la voyez au début. Et en Chine, comment je le sais? Parce que dans Pékin Express, je l'ai vu. Quel nombre indique ce boulier? 4. Non, je peux pas les faire bouger. Attendez, je retourne ma tablette. Non. Tu vas faire voir que c'est 2. Le... Je vais faire que la réponse c'est 2. Ça va être sûr. Tu vas voir. Hein. T'as 2. Ben, ça. Oh. Tu as réussi à trouver. Moi je comprends rien. Je vois juste des boules noires. Quel animal peut produire des ultrasons? Ah, alors ça, les fléfanos, je le sais, c'est complètement la grenouille. Cette grenouille peut produire des sons de plus de 128 kHz. L'huître ne fait aucun son pour l'instant, mais on écoute quand même de temps en temps. D'accord. 7 plus 5, 11. C'était sûr, c'était sûr. Mais non. Ah, oh, ils sont sérieux. Tiens, j'en ai marre de ce jeu. Lequel de ces états est le Nouveau-Mexique? Ah, attends, est-ce qu'on peut tourner? Ah. Non, on peut pas le tourner. Ah. Ah. Ça. Je vais craquer, il me reste plus que 8 minutes. Non, 9 minutes. 9 minutes parce que j'ai perdu 1 minute pour commencer le jeu. Parce que j'ai perdu 1 minute pour commencer le jeu. Du coup, il me reste plus que 9 minutes à peu près. Donc là, ça au polo. Donc là, ça. Ah, la pub. Ça, c'est la grenouille. Voilà. C'est pas ça. Oh. C'est pratique, tu peux les dessiner en mémoire. D'accord. Classe-les du plus petit au plus grand. Le plus grand grade militaire. Du coup, aspirant. Allons, sergent chef. Sous-lieutenant. Oh, adjudant. Aspirant. Oh oui, sous-lieutenant. Une fois, j'ai été délégué suppléant au collège. 8, 3, 4, 7, 8. 8, 3, 8, 3. Bah, c'était ça. C'était 8, 3, 4, 7, 8. C'est pour ça que j'ai pas. 8, c'était 8. Alors, c'était 8, 3, 4, 7, 8. Moi, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Quand j'ai voulu appuyer sur 3, j'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. C'est sûr. Tac. Alors là, c'est quoi la grenouille, toujours. Donc là. Donc là, c'est ça. Il
Donc là, sergent, tac, tac, tac. Donc 8, 3, 7, 4, 7, 8. 8, 3. J'ai même appuyé sur 3 là. 8. Pourquoi il me dit. Ah, purée. À l'envers, faut l'écrire. Et je viens de voir la. Je viens de voir la question. Donc 8, 3, 4, 7, 8. Donc 8, 7. 4, 3, 8. Haha, quel. Ah, mais je voulais lire, ça a passé. La question. Comment ça tu as réussi à tenir jusqu'ici? Et j'espère que tu vas perdre. Ah non, faudrait pas que je perde. Parce que si je perds là, je trouve les voitures qui n'existent pas. Alors, la Fiat Panda elle existe, ma mère elle a ça. Volvo Vo. S'il y a d'autres. C'est tout. Mazda. Mazda. Ford Kuga. Non, ça existe, Ford Kuga. Citroën, je sais pas. Ouf. Lotus Elan, je connais pas. Je sais pas. Mais non! Dommage, j'aurais bien acheté une Mustibi des Gradon. Purée, question 80. Écris bonjour sur ce téléphone moderne. Très moderne. Eh ben. B. Ah bon. Ah bon. Bon. Bonjour. Et voilà. Allez, il me reste plus que 3 minutes. Donc 4 minutes. Je dirais en 4 minutes, il va falloir que. En 4 minutes, les Fefanos, il va falloir que je fasse ça. Lequel de ces pays n'existe pas? Le Turkménistan, ça existe. Ça n'existe pas. Ah, le Héministan. Franchement, le Tadjikistan, ça existe. Le Guerménistan, ça n'existe pas. Voilà. Et enfin, le Mozbutan. Encore un? Le Tadjikistan, ça existe, non? Est-ce que je dois confondre avec quelque chose, non? Non. Le Turkménistan, ça existe. Kyrgyzstan, ça n'existe pas. Donc forcément, voilà. Tu connais en géographie, ou alors tu avais compris que les ministres étaient du musique. Oh, bah Eminem, hein. Trouve le chemin le plus court. Il faut tourner, non? Bah, celui-là. Celui-là. Merci beaucoup, tu viens de me faire gagner 5 minutes sur mon trajet de boulot. Lequel de ces sports existe? Le hockey sous l'eau. Ça existe, je sais, j'ai vu une vidéo là-dessus. Vous pourrez la voir sur YouTube. Au produit de la symphonie I Got a Feeling. Ah, ça oui. Alors attends. Oh! En plus, je l'ai jamais appris ça. C'est quoi, un jour, faudra que je l'apprenne ça là. 43-14. 43-14. 43-14. Mais non, ça fait pas 33. Hein. Pourquoi? Bah non, 33. Bah si, ça fait 33. Et de, mais je, en fait, ça fait 33, je crois. Mais je suis sûr qu'il y a un piège. Ah, c'est sûr et certain. Mais non, ça fait pas 33. 43-14, ça fait pas 33, ça fait 29. Donc 29. Ah, c'est bon, j'ai compris. 4 plus 10 plus 15. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses de moi? Tu es très séduisant. Hein. Allez, Fano, plus que 1 minute. C'est là où il y a un piège. Éléphant.
Ouah, c'est bien éléphant pour une fois. Oh là là, les fanos, je vais perdre bientôt le défi. Hein. Relie ses personnalités à leur vrai prénom. Vin Diesel. Alors, Joe Star, c'est Didier. C'est sûr. Jamie Foxx. Ouais. Chuck Norris. Je vois Carlos, moi. Je vois bien, il s'appelait Carlos. Ah, c'était sûr. Allez, vite. Faudrait au moins que... moins vite, en moins d'une minute. Bon, j'avoue, tu te débrouilles pas mal. Mais s'il en faut plus pour t'amener au jeu. Le contraire de l'inverse de l'affirmation. Ok, bah c'est vrai. Allez, la dernière question, avant que je perde mon défi. La réponse est à l'envers. Oh. Et voilà. Eh les fanos, j'ai perdu le défi. Eh voilà les fanos, j'ai perdu le défi. Ouais, j'ai eu un tatouage à vie. Et voilà. Bon les fanos, j'ai perdu le défi malheureusement. Voilà, qui m'a été proposé. Mais c'est pas grave, je vais essayer de quand même finir le jeu. Le dernier niveau, personne n'a jamais réussi à le terminer. Je ne serai pas le premier. Quelle loi n'existe pas en Alabama? Interdiction de... conduire une véhicule les yeux bandés. Je sais pas. Franchement, jouer du yo-yo face à un officier de police, ça serait tellement drôle. Il y a vraiment une loi, ils se sont dit, oh tiens, et si on faisait ça? C'est mais ok. Écoute, s'ils veulent, hein, c'est leur choix. Hein. Complète cette phrase. Garçon, je vais prendre la formule. La formule appétissant. La formule La formule, ça a l'air, bon attends, déjà ça, ah voilà, mais attends, il... est-ce qu'il y a un truc si je retourne d'un coup les lettres, si je secoue, si je fais un truc, non? Garçon, je vais prendre la formule, éléphant, chien, garçon, je vais prendre l'option, non, je sais pas. Garçon, je vais prendre la formule. Ouais. Non, mais en vrai, je sais pas. Hein. Ça a l'air. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? La formule complète. Oh là là. Range ces mots du plus petit au plus grand. Putain, mais il doit y avoir un piège. C'est pas possible. Il doit y avoir un piège. Non, mais il doit y avoir un piège, ça va être du plus grand au plus petit. Ouah, il y avait un piège. C'était obligé. Parmi ces mots, un qualifie mon talent et un autre mon ego. Ah bon? Pas trop, non. Et répète la combinaison. Ça va faire une musique. Ça, c'est quoi ça déjà comme musique? Non. Putain, c'était jaune bleu, c'était jaune bleu, jaune rouge, jaune jaune. Ah putain, comment tu veux faire pour retenir ça? Donc la formule complète, appétissant. Ça me fait penser à une musique, ça. Si vous aussi, ça vous fait penser à une musique, mettez-le dans les commentaires.
qu'il n'y a pas un truc marqué là sur ça. Peut-être que je te mets des trucs. Oh! Mais non! Mais non! Mais non! Bien fait! Mais qu'est-ce que tu as fait? C'était mon jeu préféré. Il est nul ton jeu! Comment faire le vide? Hop là. La technique pour faire le vide, c'est de penser à... Ah, j'ai pas le temps de lire. C'est de penser à quelque chose, mais à quoi, je ne sais pas. Comment t'as fait pour arriver jusque-là? Abandonne, c'est mieux pour toi. Parmi ces titres officiels de Kim Jong, de lequel n'existe pas. Non. Oh non, mais ils ont mis un truc japonais encore. J'hésite à mettre en fait le truc japonais. Bon après franchement grand GPS du peuple là, voilà. Méchant dans Avengers. Dommage, il ferait un très bon méchant dans Avengers. Écoute l'extrait, quelle technique musicale est utilisée? Ben c'est un arpège. Voilà. Désolé, mais moi je m'y connais en musique. Ah! On a enfin une pub dans cette vidéo! Enfin! Ah! Je vais le tuer ce jeu. Je vais le tuer ce jeu. La formule. En fait, c'est vrai que dans le Crazy Quiz, j'ai voulu finir pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais en fait, on va dire tant que ça dépasse pas, il est 1h15 et puis là je suis à la fin du jeu. C'est pas comme le nom, c'est pas comme le Crazy Quiz. Où là c'était vraiment. Il meurt quoi. Je répète la combinaison. Et là je peux pas prendre directement le marteau. Ah voilà. C'est rapide. Et hop. Allez vite, vite, vite. Oui, t'inquiète, oh là là, abandonne, c'est pour toi. Allez, construire l'éternité, t'es des gays du peuple, t'es les grands GPS, t'es les méchants d'Avengers. Allez hop. Donc, ah voilà, faut suivre la croix. Ah, tu veux pas cliquer sur la pub à la place? Je dois rembourser le crédit de ma vie à la fin de chaque année. Ah purée, encore un truc avec une pub. Ah non, quel marteau tu as utilisé? Le rouge. Ouais. Tu as une très bonne mémoire, je n'oublierai pas non plus. Question 100. Les fans, on est à la dernière question. Ta dernière question. Mais tu termines, tu ne reviendras plus me voir. Exactement. Tu devais résumer notre relation en un mot, ça serait lequel? Franchement, je dirais bien. Non, je sais. Voilà. Quand tu es sérieux, quand tu dis ça. J'y crois pas, t'as terminé les 100 questions. En 1h09. J'ai l'impression qu'on a vécu plein de choses ensemble, et c'est la fin. Au début, ta tête me revenait pas, mais je m'y suis habitué. Je dois t'avouer quelque chose. Si je voulais te faire perdre, c'est surtout parce que je voulais pas qu'on... Parce que je voulais qu'on passe plus de temps ensemble. Et maintenant, je n'ai plus rien à t'apporter. Nos vies se séparent. Merci, Jarry en spray. Mais c'est pas possible, Jarry en spray. C'est vrai, ce nombre de merde. Merci d'avoir passé du temps avec moi, ça me touche énormément. J'espère que tu as passé un beau moment. Moi, j'ai adoré ta compagnie. Avant qu'on se quitte, j'ai un dernier cadeau que tu ne peux pas refuser. Oula, mariage inoubliable. Eh ben. Final spécial. Oh, quoi, il existe un nouveau mode de jeu? Eh oui. Tu croyais pas que j'allais te laisser partir si vite. Dans ce mode, tu dois répondre aux 5 questions le plus rapidement possible.
Fais attention, les questions et les réponses sont dans le désordre. Il paraît qu'un trophée spécial attend les joueurs qui arrivent jusqu'au bout. N'essaye même pas de battre mon score, t'as pas le niveau. Eh bien les fanos, ben je vais pas le faire. Hein. Et voilà, mais en tout cas j'ai fini tous les 100 niveaux. Voilà, bon ben je n'ai pas réussi le défi. Voilà, ce qui est dommage. Je n'ai pas réussi le défi, mais les fanos, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les fanos. Si vous avez aimé, abonnez-vous, lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, activez la cloche, les fanos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.